Ils sont où les cracks pour la culture générale? Attention, j'invite tous les groupes à faire preuve de diligence parce que le chrono est déjà lancé. Et nous partons pour la culture générale. La culture générale, enveloppe toute scellée qu'on va ouvrir déjà. Merci beaucoup de nous aider. Et nous en profitons pour saluer le roi du 108, Nanan Amon Ndoufou 5. On espère que toute la bénédiction de Nanan vous accompagne, très chers concurrents. Alors, vous avez le micro en main. Première question. Quel groupe remporta l'édition 1992 de Variétoscope? Quel groupe remporta l'édition 1992 de Variétoscope? Vous avez le micro.
Éveil d'Adjamé. Pardon? Éveil d'Adjamé. Eh oui, vous marquez le point. Question 2. Comment se nomme l'actuel directeur de RTI 1? Comment se nomme l'actuel directeur de la radiodiffusion télévision ivoirienne 1? RTI 1, comment il se nomme le directeur actuel? Si vous n'avez pas le nom, vous le dites dans le micro et on passera à la prochaine question. Fousseni Diabaté. Oh là là. Non, Diakité. C'est même pas Fousseni, mais ne cherchez pas un autre Fousseni. Il s'appelle Monsieur Koné Sirikissil, qu'on salue bien fort de là où il se trouve. Question 3. Quelle est l'appellation officielle du terrain de tennis? Quel est l'autre nom du terrain de tennis? Le coup de tennis. Eh oui, vous marquez le point. Dernière question. Qui est l'auteur du roman La carte d'identité? Qui a écrit le roman La carte d'identité? Vous avez le micro. Jean-Marie Adjafi. Eh oui, vous marquez le point. Amamou Ebia remporte donc 3 points sur 4. Alors, la compétition se poursuit de plus belle. Est-ce qu'ils sont prêts déjà pour leur fait de société ou leur fait coutumier? Pas encore. Nous allons nous diriger sans transition aucune dans le QG. Dans le QG, dans ma moi bien d'aboisson, j'ai envie de faire des heureux. Ils sont où les gars? Je veux entendre du bruit. Aboisson, ils sont où? Comment on fait aboisson? Aboisson. Une question rapidement. Que signifie TNT? Monsieur, bonsoir. Que signifie TNT? TNT, ça signifie quoi? C'est la télévision nationale terrestre. Je pense qu'ils sont prêts. Amamou Ebia est prêt pour son fait coutumier. Il s'agit bien sûr du Fakoué chez les Atier Le Pain. 3, 2, 1, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le groupe Amamou Ebia d'Aboisso va vous déporter dans la région de la Mé, précisément dans le Grand Alépé, afin de vous faire découvrir leur très belle culture à travers la danse, le Fakoué, chez les Atier Lépé. Étymologiquement, le mot Fakoué est constitué du préfixe Fa, qui signifie peuple, et de Koué, qui signifie guerre. Il se définit donc littéralement comme étant la guerre du peuple. Cette danse est pratiquée chez les Akié Lépé, qui eux sont à l'origine un sous-rameau du grand groupe ethnique Akan. Leur origine directe se réfère au groupe Akié, qui est donc constitué des Bodin d'Adzopé, des Nian d'Aniama et des Limpin d'Alépé. Les Lépé, dont la nomination viendrait du génie tutélaire Lé, seraient partis du Ghana aux environs du XVIIe siècle par la suite de querelles. Ils se seraient ensuite séparés du grand groupe Akié afin de s'installer dans l'actuel village d'Assedji, dans la sous-préfecture d'Afiri. Suivons donc ensemble ce peuple aux multiples facettes. Loboshi, mais tu fais quoi dedans là-bas même? Tu sais très bien qu'on doit sortir, non? Loboshi, qu'est? Loboshi, où est-ce que tu comptes aller comme ça? Hein? Ne t'ai-je pas dit que nous devons recevoir aujourd'hui ta tante qui vient de France? Allez, viens ici. Va dans le bistrot le plus proche me trouver une très bonne bouteille de liqueur. Fais ça vite. Je t'ai toujours dit de ne pas te promener avec ce genre de fille. Mais tu ne m'écoutes même pas. D'ailleurs, où est-ce qu'elle a déposé mon plat de biocosseux accompagné d'escargots? Hein? Ou bien quelqu'un a pris? Je n'aime pas ça, hein? Vous pouvez tout me prendre dans ce village, mais pas mon plat de biocosseux accompagné d'escargots. D'ailleurs, je vais chercher mon fusil.
il faut qu'on lui parle. Hein. Faut qu'il comprenne que le Fakouin n'est pas seulement qu'une danse. Il nous aide aussi à régler certains problèmes matrimoniaux. Yabi, pourquoi tu sois avec un fusil braqué comme ça sur moi? Tu veux me tuer ou quoi? Yabi, je suis ton aîné, hein? Baisse-moi ça là-bas. Il faut t'asseoir. Il y a des problèmes sérieux dans ce village. Hein? Yabi, nous avons appris... Nous avons appris de soucis que ta petite chère vient de France aujourd'hui. Et jusqu'à présent, elle n'est toujours pas arrivée. J'espère pour toi que tu lui as fait part de ce conseil. Hein? Nous avons choisi son fils comme étant le nouveau guerrier de la génération des Djigbo. Pour ça, il n'y a pas de problème. Ne vous en faites même pas. Tout se passera comme convenu. Vraiment, que tout se passe comme convenu. Que tout se passe comme convenu, des Yapi. Parce que la poule, même si elle ne sent pas la force du coq pendant les rapports, elle la sentira au moment de pondre les œufs. Yapi, nous avons une semaine pour régler ce problème. Non, c'est 2 semaines. Je dis bien 1 semaine. Non, 2 semaines. Bon, je m'en fous, c'est 1 semaine. Yapi, donc tu voulais boire cette très bonne bouteille de liqueur sans nous? Parti, il ne peut pas supporter. Et toi, donne-moi ça ici. Allons-nous-en, on n'a plus rien à faire ici. Toi, vraiment, on peut même pas compter sur toi, quoi. Oh. Maman, je t'ai dit que je ne voulais pas venir en Afrique, encore moins au village. Ne t'en fais pas, mon fils, tu verras, les gens sont plutôt cool ici. Maman, cool ou pas, j'ai pas envie de me faire bouffer par les moustiques, moi. J'ai déjà des frissons rien qu'à y penser. Et Alain Joël, il faut bien te comporter. Hein. Nous sommes en village ici. Si tu ne fais pas, je vais te corriger correctement. Ah, vas-y, maman, hein, calme-toi. S'il te plaît, ne te fâche pas là. Hein, s'il te plaît, fais-moi un sourire. On fait une petite vidéo, s'il te plaît, pour mon compte Insta. Hein, souris, maman. Ouais, la famille. Ouais, nous sommes là au village là. Et je suis là, c'est la S. Je suis avec la daronne là. Et ça m'a directement fait penser à un freestyle. Vous pouvez écouter ça. Ça a fait. On parle de taf et pour des thunes dont je profiterai même pas. Ils oublient que ma vie, j'en ai qu'une vie comme dans Koh-Lanta. Toi, arrête-moi ça là-bas. Tes conneries, tu aimes faire là. Mais qui fait encore beaucoup de bruit dans ma cour là? Et grand frère, ma petite soeur, à tout. Mon arrivée, ma petite soeur. Je suis très content de te voir. Mais tu es toute belle, hein, ma petite soeur. Oh, merci beaucoup, grand frère. Mais quant à toi, tu vieillis, hein? Ah, c'est les travaux champêtres. Tu sais, ici, c'est très difficile, hein, ma petite soeur. Mais j'espère que tu sais toujours danser, hein? Fais-moi une petite démo, là. Hein? Moupé. Mais tu ne m'as pas présenté le jeune homme, là. C'est ton fils? Oui. Ah, d'accord. Lobashi? Lobashi? Oui, papa. Je te présente ma fille, Lobashi. Bonne arrivée, Tanti. Tanti, est-ce qu'on vous apporte de l'eau à boire? Non, pour l'eau, ça va. Ah, Lobashi, aide le jeune homme à faire entrer ses affaires. Ta tante et moi, nous devons parler. Vraiment, hein? Il a bien grandi, hein, le garçon. Ah, il est temps pour lui d'apprendre les bases de la coutume de chez lui. Oh oui, mon grand frère, c'est ça même la raison de notre venue. Oh. Ah, c'est très bien. Bon, je te sens très fatigué. Allons, tu vas te reposer. Nous aurons le temps d'en reparler. Le jeune Alain Joël avait été emmené au village afin d'être désigné comme étant le nouveau guerrier de la génération des Djigbo. Mais lui ne s'en doutait même pas. Il avait déjà passé 5 jours au village et il commençait déjà à en avoir marre. Mais il y a une chaleur d'enfer ici, moi. Hein? Putain, en plus, il n'y a même pas de réseau. Oh, le réseau. Oh, attends. Elle bouge seule cette chaise ou quoi? Non, mais maman, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe encore ici, vous deux là? Mais je ne comprends pas, elle bouge seule ces chaises. D'ailleurs, j'ai plus envie de rester dans ce village. Je vais chercher mes affaires et je me barre d'ici. Wesh, c'est définitif là, je me casse. J'ai aucune même envie de rester ici. Mon fils, attends, mais maman, je ne retrouve pas mon passeport. Mon fils, tu n'iras nulle part sans avoir satisfait aux besoins de la tradition. Mais de quoi il parle, lui? J'ai pas d'ordre à recevoir d'un vieillard comme toi. Mais maman, il est lourd le sac. J'arrive même pas à le soulever. Mon fils, est-ce que tu connais le Fakouin? Fakouin? C'est une blague ou quoi? Mais de quoi il parle là? Ma petite, laisse-nous une minute. Viens, mon petit. Tu sais, le Fakouin est un rite initiatique chez nous, les Akis et les Pins. Il aide à insérer les jeunes d'une certaine génération dans leur profession. Et ça, c'est très facile et très important pour nous ici.
Hein, mon petit, tu auras le temps de comprendre. Ne t'en fais pas. Vas-y maintenant soulever ton sac. Ah, vraiment, les jeunes d'aujourd'hui. Aucune compréhension de nos us. Mais, Yabi, pourquoi tu fais cette tête d'enterrement? Le petit refuse de suivre nos us et coutumes. Oh, 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 les enfants d'aujourd'hui, aucune notion de la coutume, encore moins de notre culture. Et pourtant, un peuple sans culture est un peuple perdu. C'est même un peuple sans avenir. Diantre, qu'avons-nous fait pour mériter un tel sort? Lobachi, regarde dans la chambre là-bas si ton père ne nous a pas encore gardé une très bonne bouteille de liqueur. Tonton, tiens, il y a deux bouteilles même. Hein? Vraiment, Yapi, tiens, frère. Parce que si tu vois le coq se déplacer pour venir boire de l'eau, effectivement, c'est parce qu'il a soif. Bon, on s'en va là-bas comme ça, hein, Yabi. cette fois-ci, attendez-moi, hein. On doit boire ça ensemble. C'est bien fait. Et Loboshi, attends, on a apporté un bon plat de biocosseux accompagné d'escargots. Viens, on va manger ça ensemble. Tu verras, pour aujourd'hui là même, c'est trop doux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bon plat de biocosseux accompagné d'escargots. Dis-moi, tu en veux? Hein? Si tu as goûté ça là, tu vas oublier ton affaire de France là. Tiens, il faut goûter. Tiens, tiens. Et il ne veut pas goûter. Il ne veut pas goûter. Hi, le boshi, ton frère là, il est joli des. Ah! Tiens, oh, tu es mignon comme ça. Mais dis-moi, c'est comment affaire là? Hein? Toi, tu es venu ici depuis là, tu ne veux pas faire les affaires avec les gens. C'est comment même? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous me faites là? Maman! Maman! Mais qu'est-ce qui se passe même? Je ne comprends pas! Joël avait été initié au Fakwe. Il devint même le guerrier de la génération des Djibo. Il en était fier. Il était fier de brandir cet étendard très haut. Il remerciait son oncle et ainsi sa mère de leur avoir permis d'ouvrir ses yeux sur la coutume de chez lui. Il devint ainsi un homme. Public de Variétoscope, merci. Merci de nous permettre de transmettre notre très belle culture à travers les chaînes nationaux. Car c'est ainsi que ça fera bim. Nous vous remercions.
Merci beaucoup. C'était le fait coutumier de Amamoué Bia d'Aboisseau intitulé Le Fakoué chez les Atiers Le Pain. Je suis ici dans le QG de Amamoué Bia d'Aboisseau. Est-ce qu'ils sont toujours là, les gars? Ah, nous sommes ici dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Alors, nous étions en train de poser une question à notre très cher ami, avec notre partenaire, la TNT. Monsieur, que signifie la TNT? La TNT signifie, c'est la télévision numérique terrestre. Est-ce qu'il a trouvé? Est-ce qu'il a trouvé? Remettez-lui son lot, remettez-lui son lot. Merci beaucoup. Alors, Aboisseau, j'ai besoin de trois danseuses de Abodan. Est-ce que vous savez danser le Abodan? Nous sommes dans le royaume du sang, oui. Je pense que la Miss est prête. Ce sera pour tout à l'heure la démonstration de l'Abodan. 3, 2, 1, passage de la Miss à Amamoué Bia d'Aboisseau. Dans l'air à Caen, la femme occupe une place de choix. Regardez vous-même et vous verrez. Notre Miss, elle est tellement belle. Elle est tellement belle que, comme je peux vous le dire, elle pourrait réveiller Lazare de sa tombe. Oh oui, appréciez notre très belle Miss. Appréciez-la. Je vais me taire juste une seconde pour que vous preniez le temps de la contempler. La tenue qu'elle porte arbore un étendard très spécial. Cette Miss, oh oui, c'est tellement belle Miss, comme vous pouvez le voir. Est-ce que vous avez pris le temps de remarquer tout à l'heure un défilé très rapide? Et comme vous pouvez le voir, elle porte à son cou, un collier qu'on appelle Anebeja. Anebeja. Ce collier est réservé uniquement aux femmes qui viennent d'accoucher. Et comme on le dit chez nous, les femmes nourrissent. Ah oui, c'est tellement belle, Miss. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. C'était le passage de la Miss. Et nous revenons ici, mesdames et messieurs. Je rappelle que nous sommes en direct de la salle polyvalente, bien sûr, du Parc d'Espoir de Trècheville. On en parlait à l'instant. Trois danseuses à Bodan. Nous sommes dans le royaume du sang, oui. Démonstration. Démonstration, les gars. Démonstration. Ah, à Bodan. La régie monte le son. Au tout. Your cat a mouse of Omahen. Get our seat. Abaddon! Abaddon! Young God, Yamifi. Hey! Hey, Uma! Hey! Yoa! 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 Les garçons, on vous a pas bien vu. Les garçons devant maintenant. Les garçons dansent aussi de la Bodan et de si belle manière. Les garçons, les filles, mettez-vous juste à côté. Voilà, je demande aux partenaires de récompenser les danseuses et les danseurs. Allons-y. En attendant, bien sûr, le morceau au choix du groupe Amamoué Bia d'Aboisseau. Démonstration à Bodan. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut les ovationner très fort? On va les ovationner très fort. On attend bien sûr que Amamoué Bia d'Aboisseau sera prêt bien sûr pour leur dernière prestation. Je rappelle que nous sommes en direct et ce soir, 5 groupes sont en compétition. Et là, nous sommes dans le sud Comoé. C'est ici en Côte d'Ivoire. Il y a de belles choses à voir là-bas, bien sûr. Alors, avec bien sûr le soutien de la régie, je retourne dans le QG de Amamoué Bia d'Aboisseau. Est-ce que tu peux monter le son? Est-ce que tu peux monter le son? Je veux entendre les supporters d'Aboisseau. On fait ça comment à Aboisseau? Ils sont où les supporters d'Aboisseau? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont là-bas. Ah!
c'est vous qui allez gagner même? Est-ce que c'est vous qui allez gagner? Est-ce que c'est vous qui allez gagner à Boisseau? Démontrez, démontrez. Pas encore, pas encore. On va continuer à faire des heureux. On va continuer à faire des heureux. Monsieur, monsieur, venez, 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 venez. Posez la bouteille rapidement, venez, venez, venez. Bonsoir, vous êtes avec votre fiancé? Bonsoir, une amie. C'est votre fiancé qui est là? Non, c'est une amie. Ah, c'est une amie. Il n'y a rien. Vous supportez quel groupe? On est bon là, à Boisseau est prêt pour son morceau au soir, 3, 2, 1, c'est parti. Papa, la qui passe, je merci. Il y a eu des drames, mon frère, mais on peut pas donner. Il y a eu des drames, si c'est vrai, mais on peut les penser. On a un seul pays, on a une seule patrie. Qui dit voilà, vous mettrez, mais c'est pour le bonheur de ce pays. Il y a un bleu, mon pays bleu. A télévision, il n'a pas de fou, mon pays bleu. Les conditions, le grand caissier. Nous avons qu'un seul pays, si nous devons le détruire, où allons-nous aller? Nos enfants vont à l'école, j'ai dit pour notre bonheur, j'ai dit pour notre avenir, pourquoi les détruire? À tort de besoins, un tam-tam de pain, pourquoi pas me le dire? Irisi Congo, Irisi Congo, il a